Alors, j'étais évidemment devenu à Paris, à cause du succès de ces présentations à Noël pendant 31 jours, j'étais devenu Monsieur Crèche, et effectivement, j'étais devenu complètement fou de ces petites pièces d'un art populaire tout à fait étonnant. Et alors, toute cette collection que j'avais accumulée, 500-600 crèches du monde entier, il y a 79 pays au monde qui font la crèche, je me suis dit, mais au fond, imaginons qu'elles arrivent en bateau ou en train et qu'elles sont dans des caisses d'emballage. Et nous avons donc, mon équipe constituée de 5 artistes, 2 femmes et 3 hommes, ont travaillé pendant 2 ans à réaliser ces boîtes qui sont en fait au départ des caisses d'emballage, mais qui sont devenues des écrins, que j'ai baptisé les Noëls du monde.